Ah, par contre, tu peux l'attaquer. On travaille sur la lecture de trajectoire de la frappe. Donc, dès qu'il y a frappe, le réceptionneur doit rapidement aller dans la zone de chute. Puis, dans un second temps, ralentir afin de s'adapter à la trajectoire du ballon. Et dans un troisième temps, l'attaquer. Point négatif, il tend pas assez les bras, ne retourne pas.